je suis contente de vous retrouver pour un petit retour de course de Inter. Donc là, j'ai fait une bonne affaire. J'ai pris des patates. De toute façon, il me fallait des patates parce que j'ai envie de faire dans la semaine un gratin dauphinois. Enfin, un gratin de pommes de terre plutôt. Excusez-moi pour le lapsus. Donc, c'est un sac de 5 kg. Et là, j'ai fait une bonne affaire. 2,89€. Et je trouve pas mal, ma foi. Donc voilà. Donc là, j'ai des pommes de terre pour un bon bout de temps, donc je vais pouvoir faire mon gratin de pommes de terre. Et en plus après, je pense que, enfin, j'ai oublié, mais bon, ça c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. La prochaine fois, je prendrai du chou-fleur, parce que j'ai envie de gratin de chou-fleur ou de velouté de chou-fleur, j'ai envie. Donc là, j'ai pris de la salade. Donc il y en a une pour à manger ce soir, c'est sûr, parce que ce soir je fais une flamenche. Hier soir, j'ai voulu tester la fameuse flamenche. Bon, j'ai pris ce que j'avais dans le frigo. Il me restait une pâte feuilletée, j'avais du fromage blanc et des lardons. Donc, pour éviter que ça se perde, donc j'ai fait avec la pâte feuilletée. Ça se voit qu'avec la pâte feuilletée, c'est pas ça qu'il faut, hein. Pas du tout. Et le fromage blanc, c'est impeccable. Mais par contre, donc moi, j'avais fait, je savais pas ce qu'il fallait faire cuire les lardons. À part, enfin, sur la tarte, moi j'ai fait cuire avec mes oignons. J'ai fait revenir mes oignons avec mes lardons. Donc voilà, mais c'était un peu trop salé quand même, à mon goût. Donc là, j'ai regardé ce matin. Non, c'est que les. Non, c'est que j'ai. C'est pas les lardons qui sont salés. Non, c'est parce que je les ai fait cuire avant. Ah non. J'aurais pas dû. Et donc là. Ouais, mais sur la tarte, ils auraient pas cuit comme ça dessus. De quoi? Mais c'est au four. Ah oui, au four. Donc du coup, alors ce soir, je vais en refaire une et là j'ai acheté ce qu'il fallait. Donc notamment, il fallait de la pâte à pizza. Alors j'ai acheté. Mais bon, alors là j'ai pris deux boîtes de biscottes pour mon petit vieux. Donc c'est des biscottes complètes, il les adore. Ils font dans la bouche, donc tant mieux pour lui. Hein. Donc voilà, après j'ai pris des bananes, ça vous donnait envie. En ce moment, même avec mon fils et tout ça, on adore. En ce moment, on mange des bananes. Moi, je les ai pris un peu vertes pour qu'elles puissent avoir le temps de jaunir tranquillement. Donc j'ai pris des bananes. Je vais regarder les prix des clémentines, mais alors elles sont hors de prix. Presque 5€ le kilo, ça fait un peu cher. Donc je vais attendre que ça baisse quand même. Donc là, j'ai pris la fameuse pâte à pizza pour faire la flamenche. Donc ce soir. On va la refaire, mais là, ça sera un peu mieux. Mais bon, elle était bien réussie hein, dans l'ensemble. Mais le feuilletage, enfin, la pâte feuilletée pour la flamine, c'est pas ça. Pas ça du tout. Donc, voilà. Donc, voilà. Après, j'ai pris du râpé de jambon parce que je pense que je vais mettre plutôt ça. Je sais pas. Ça va être ce soir. Ça va être selon mon envie, comme je dis. Après, donc, j'ai pris. Donc ben, j'ai pris deux parquets de lardons nature comme ceci. Donc c'est des barquettes de 200 grammes je crois. Donc, ouais 200 grammes. C'est des barquettes, j'en ai pris deux. Voilà. Nature toujours. Après ben, j'ai repris mon Saint-Albré. Ça c'est, je crois que c'est la base. Enfin, c'est trop bon. Surtout quand il est bien ferme, parce que quand il est mou, c'est. Enfin, moi, de toute façon, maintenant, je crois qu'en vieillissant, je ne supporte plus le fromage fort. Donc, c'est pour ça que j'en achète plus d'ailleurs. Donc là, c'est camembert président, parce que alors, ça, président, c'est la base. En plus, là, c'est quoi comme recette? Des baguettes à partager au camembert et pommes. Sucré salé, moi, je suis pas sucré salé. Donc après, j'ai pris. Alors, j'ai pris. Ah oui, avec mon mari, on a vu ça. Donc on a pris de la copa. Donc 7,37€, mais elles sont bien épaisses. Voilà. Et ça, ben, comme moi, mon mari et mon fils, on aime ça. Donc c'est parfait. Ma fille elle aime pas. C'est ça. Elle aime pas. Hein. Donc voilà. Donc après j'ai pris des rillettes au crabe. J'ai dit ça va changer un peu toujours. Bon là j'ai pris aussi de la rillette de saumon comme ceci. Mais bon pour changer un peu des rillettes tout le temps de saumon. Donc j'ai pris aussi du camembert. Ben, deuxième camembert président. Je ne savais même pas que j'en avais pris deux. Et le coulommier président.
là. Après, j'avais envie de le crouton à l'ail. Alors, une fois, j'avais pris dans une grosse poche de crouton à l'ail. Il y en avait, mais pas à l'ail. Il n'y avait que nature. Et nature, non. Moi, j'aime bien à l'ail. Et j'ai été bercée comme ça. Mon grand-père, si, c'était son péché mignon. S'il n'avait pas ses croutons à l'ail, ma mère, elle se faisait appeler Léon. Donc voilà, c'est cochon, il y a 90 grammes. Il y a 90 grammes. Voilà. Donc, voilà. Après, j'ai repris des oignons jaunes, justement. J'ai repris aussi, ben, c'est les dernières, les tomates grappes, c'est les dernières. Ouais. Après, ça va, c'est fini. Et oui, l'été derrière nous. C'est l'automne. Après, donc, j'ai pris aussi du fromage. Du fromage. Et j'ai pris du beurre doux. J'ai pris du gruyère râpé. Parce que si je fais mon gratin de pommes de terre. Le jambon. Donc, j'en ai encore un paquet d'avance, mais j'aime bien en avoir. Après, j'ai pris, alors ça, je connais pas, mais je sais que j'ai entendu que c'était bon, ça. Du Beaumont de Savoie, au lait cru. Alors ça, quand je l'ai vu, donc c'est affiné sur planche d'épicéa dans notre cave de Mazière, Haute-Savoie. Ah, ça la croix, Haute-Savoie. Là, c'est un beau pays, ça. Non, franchement, moi, j'y étais en Haute-Savoie, c'est trop beau, c'est les montagnes, c'est magnifique. J'ai été en Savoie, en Haute-Savoie. Franchement, c'est, j'adore. On voyait les chamois et tout, c'est trop bien. Là, on va me perdre. Donc voilà. Donc il y a combien de grammes? Il fait combien de grammes celui-là? Ah ben, il fait 200 grammes. Donc voilà. J'étais là quand je l'ai vu, j'ai dit où ça? J'en prends. Après, donc j'ai pris aussi du Mazdan. Donc voilà, voilà pour les courses. Ben là, ce midi, avec mon mari et mon fils, on va finir. Enfin, finir. C'est un grand mot, hein. Il va en rester. Mais après, le reste, moi, je vais en faire de la soupe. Avec du vermicelle et tout dedans. Mon fils, ça ne sera pas son kiff, mais ça sera pour demain soir. Mais là, ce midi, on fait. Je finis. Enfin, s'il en reste. Enfin, de toute façon, il en reste pour aujourd'hui, ça c'est sûr. Peut-être qu'il en restera demain, je ne sais pas. En tout cas, ce midi, c'est bourguignon, le reste de bourguignon d'hier. Ce soir, ça va être la flamenche avec salade. Et demain, je sorte quelque chose, mais ça, je verrai ce soir. Certain. Et demain soir, ben, ça sera peut-être la soupe ou si on a faim. Parce que vu que demain après-midi, mon fils, il m'a réclamé des crêpes. Donc, ben, je vais faire des crêpes. Donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Donc je vais faire des crêpes demain après-midi. Ma fille, elle sera dans sa chambre. Elle suit une personne qui parle japonais. Donc elle va faire un cours de japonais. Alors, bon, c'est son petit plaisir. Donc voilà. Donc et puis bah, moi je serai comme ça. Moi je tranquille à faire mes crêpes. Mon mari, lui, sera sur son portable. Oh, moi, tranquille. Et puis, voilà, mon mari, c'est tranquille. Oh, moi, c'est doucement, mais sûrement. Voilà, donc, et puis, hier, on a été au médecin, donc, tout va bien pour monsieur. Maintenant, il a son renouvellement que dans 6 mois. Donc, comme ça, il est tranquille pendant 6 mois. Par contre, moi, le médecin, il m'a dit, parce que mon mari, il leur a dit. Donc, le médecin, il a dit, ben, maintenant, on va s'occuper de vous, madame. Voilà. Ben, oui. Donc, voilà. Mais sur ce, sinon, bah après, il n'y a le pas chien va bien. Le chien, monsieur Boubou, il va bien. Hein, monsieur Boubou? Il carbure au. Il carbure au diesel. Il y en a que je t'enlève ça. Voilà. Voilà, dis bonjour. Voilà. Dis bonjour. Dis bonjour là. Dis bonjour. Non, toi, tu sens. Voilà. Il n'a pas perdu son habitude. Il sent les aliments, ce qu'on a acheté. Pour voir s'il n'y a pas un truc à lui. Oui. Et demain, tu auras ton sachet de toppers, mon boubou. Hein? Et tu auras ton huile de saumon. Eh bien oui. Aujourd'hui. Tu veux une gourmandise? Hein? Allez, les gourmandises. Tu veux une gourmandise?
une gourmandise. Vous voulez voir le chien quand il... Ah oui, mais je crois qu'il a... Je ne sais pas s'il a eu ses croquettes, alors je ne donne pas bien. Non, non, on ne va pas trop l'exciter là. Ça y est, il est barré déjà. Voilà, il est parti. Lui, ça y est, le mot gourmandise, il comprend. Ça veut dire. Donc voilà, sinon, mais au niveau des calendriers de l'Avent. Donc là, ma fille... Avec ma fille, on n'attend plus que le calendrier de... Ah, alors le plus, on l'a commandé. Ah oui, alors donc du coup, changement de programme, parce que quand j'ai vu l'intérieur de L'Oréal, vous savez qu'on devait prendre L'Oréal. Du coup, on ne l'a pas pris, parce que quand j'ai vu à l'intérieur, c'est plus des produits de soins et moi, avec ma peau, c'est même pas la peine. Ma fille, à l'âge qu'elle a, elle n'a pas des rides. Donc du coup, il n'était pas terrible. Donc du coup, heureusement, je ne l'ai pas pris. Après, Révolution que j'avais vu... C'est à peu près ce que j'ai eu l'année dernière, donc je ne l'ai pas pris. Et donc, du coup, ben, ça sera Kiko. Vous allez découvrir en même temps que nous, Kiko. Adopte. Donc, en plus, il y a un des parfums dedans que j'adore, que je mets tous les soirs. Ça, franchement, je l'adore, celui-là. Et ma fille voulait me le prendre en plus. J'ai dit non. J'ai dit, il va y être dedans. Je l'ai vu, il va y être. J'ai vu le parfum. Donc, il va y être. Donc, vous découvrirez mon parfum coup de cœur que j'adore. Je ne vous dis pas parce que sinon, c'est plus un jeu. Il n'y a plus la surprise. Et pour le troisième calendrier de l'Avent, ça sera Nivea. Parce que, en fin de compte, dedans, il y aura certainement ce que j'adore, la crème bleue. Donc, voilà. Là, je suis repartie. Alors... Le matin, maintenant, ma routine beauté, c'est pareil, je l'ai changé. Donc ça, je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que j'ai changé tout. Je vous dirai pourquoi. Enfin, c'est... J'ai arrangé, on va dire, à ma sauce. Mais j'ai pas fait de ça, mais j'ai arrangé à ma sauce. Et depuis, là, ça va mieux. Ça tiraille moins, ça me grille. Alors, j'avais le visage, j'avais envie de gratter, ça me brûlait comme si j'avais les griffes et tout. C'était horrible. Donc voilà, mais ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!